Et yo tout le monde, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le 7ème épisode de notre série Building a Jedi Temple. J'ai pas envie de perdre 14 ans à faire une intro, alors on y va, c'est parti. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire qu'on a acheté le calendrier de l'avant Lego Star Wars, qu'on fera une review de chaque petite merde qui sort, de chaque case, de chaque jour, tous les jours, du 1er au 25 décembre, voilà. Et puis on est allé au Lego Store et on a acheté un pot avec des deux fois de verte, des deux fois quatre marrons. J'ai tout dit, on passe au building. Bon visage. Et nous y voilà, nous avons officiellement terminé le champ de bataille. Je vous présente donc la dernière aile, si l'on peut dire le dernier côté du mock qui a été complètement terminé, enfin presque, puisque l'arbre n'est pas terminé, mais je ne vous le montre pas. Donc voilà le dernier côté du mock, donc de vert et de marron, comme vous pouvez le voir. On va faire une petite conclusion rapide, j'aurais quelques petites choses à vous dire, mais malheureusement je n'ai pas eu énormément de temps pour filmer cet épisode, puisque j'ai eu encore beaucoup de devoirs cette semaine, et donc j'ai beaucoup de travail, et donc j'avais pas beaucoup de temps. Mais bon, je tenais à vous la faire, c'est une petite update, hein, puisque c'était la fin du champ de bataille, mais je vais vous expliquer ce qui va surtout se passer dans la prochaine. Bref, donc comme vous pouvez le voir, voilà, le champ de bataille est fini, j'ai remis un peu de relief ici, une sorte de petit cratère, on en avait parlé dans le live qui a suivi. D'ailleurs, il n'y aura pas de rediff finalement, j'en suis désolé, mais bon, ça a été très drôle sur le coup, on s'est bien marré. Bon voilà, donc voilà un petit cratère ici, si vous avez un petit monticule, et sinon du vert, du marron, des petits cailloux, des petites herbes. Donc voilà, j'espère que comme ça vous plaît. Bon, en tout cas, je trouve que ça rend vachement mieux quand même avec le vert et tout ça. Tous ces petits endroits où il n'y a pas encore de plate, ça sera comblé, ne vous inquiétez pas. Pareil, comme vous peut-être vous pouvez le voir là-bas, enfin voilà, il y a des petits endroits où c'est pas encore totalement comblé. Mais ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je vais vous dire? Tout simplement, donc, dans la prochaine update, il va y avoir énormément de changements. Tout simplement parce qu'on va se déplacer et je vais complètement, en fait, refaire le champ de bataille ici. Donc, puisqu'on va rajouter du vert, ça et au dos. Donc voilà, tout va changer. Donc, c'est la dernière fois que vous verrez le champ de bataille de cette façon. Je vais pas trop m'éloigner parce qu'après, on va voir quand même beaucoup de choses. Mais bon, voilà, une vue un peu globale. Donc, voilà à quoi ressemblera pour la dernière fois le champ de bataille. Sinon, maintenant, il y aura du vert, il y aura un peu plus de relief, peut-être un peu plus de monticule. Enfin, on verra comment on fait ça. Mais je pense qu'on va bien... on va trouver un truc assez sympa, relativement sympa à faire. Donc voilà, pareil, de derrière, on va rajouter du vert, surtout beaucoup, beaucoup de vert, pour mélanger un peu les couleurs. Et puisque c'est vrai que ça rend relativement bien, on remercie Brickfield pour cette idée. Donc voilà, ça sera dans la prochaine update. Et puis, bah sinon, alors attendez, juste deux petites secondes. Voilà, je vais éteindre ça. Bref, tout ça pour vous dire que dans la prochaine update aussi, on va commencer très sérieusement à vraiment tout mettre en détail sur ce champ de bataille. Donc en gros, il y aura peu de speed building puisque j'aurai presque tout fait. Donc voilà, ça sera la prochaine update sera sur la dernière sur le champ de bataille. Et puis la prochaine, qui n'arrivera pas avant 2 semaines, je pense, puisqu'il y aura la semaine d'intervalle pendant laquelle j'aurai fait la commande, bien évidemment. Donc voilà, j'espère qu'elle arrivera assez vite, puisque là, elle est presque finalisée. Donc on a recommandé beaucoup, enfin j'ai recommandé, parce que je suis tout seul, j'ai recommandé beaucoup de plates grises. Et de plates, pas forcément de grises, enfin, si j'en ai pris quelques-unes, mais surtout de briques grises. Voilà, pour faire le sol le sol. Décidément, j'ai du mal, il est tard, hein, c'est pour ça. Pour faire les murs, des reverse slopes aussi, pour remplacer les briques qui sont là. Donc voilà, plusieurs styles de briques différentes.
Je sais plus pour combien j'en ai, mais c'est pas une petite somme, comme on dit. Donc voilà, donc il y aura ça dans le prochain dans la dans les dans le prochain épisode, donc dans 2 épisodes. Mais le prochain épisode, ça sera surtout le dernier épisode du champ de bataille, et après on n'y touchera plus à ce champ de bataille. Donc voilà, comme ça vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Je ferai peut-être 2-3 améliorations hors cam, mais après on n'y touchera plus, on ne reviendra plus dessus sur ce champ de bataille. Donc ça sera un petit peu cool entre guillemets de ne plus pouvoir y revenir. Comme ça on aura vraiment achevé quelque chose. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Elle a été un peu plus courte que d'habitude, je m'en excuse. Mais voilà, on aura vraiment à peu près fait le tour. J'ai aussi, je voulais vous le dire, j'ai enfin défini vraiment le script de l'histoire. Donc je ne vous le dévoilerai que dans la vidéo photographie du mock, et puis dans la vidéo d'accompagnement aussi, enfin dans la vidéo d'explication. Mais voilà, le script n'arrivera que là, et il n'y aura aucun moyen de gratter l'histoire du script. Je l'ai, je pense qu'elle est pas mal. Donc voilà, il y aura un truc assez sympa. Et je voulais juste vous terminer en vous montrant une petite chose. C'est SW Team qui m'avait demandé un de ces jours pourquoi est-ce que j'avais autant de briques vertes comme ceci. Et bien, j'en ai enfin trouvé l'utilisation. Oui, il y a un élastique ici parce que je m'amusais. J'en ai enfin trouvé l'utilisation. Je vous présente donc. Je vais le poser là parce que j'ai pas énormément de place. Hop, s'il tient. Enfin bref, vous avez vu. Regardez, on va le mettre là. Nien. Pourquoi tu te casses? Est-ce que ça tiendrait pas tout pile? C'est magique, me direz-vous. C'était fait exprès. Hey. Voilà. Parfait, il tient. Je vous présente donc le tout premier fond vert en Lego de la chaîne. Tout simplement, voilà, c'est très simple. C'est une idée qui m'est venue comme ça et j'en ai créé donc un fond vert. Donc voilà, on a un superbe fond vert. Pourquoi? Parce que à la suite de ce mock, il y aura tout simplement un autre très gros projet. C'est un très gros brick film. Donc en fait, on va inventer plein de décors. Donc comme ça, il y aura du mock en même temps. Mais on va faire un brick film. Ça fait il y a 1 an déjà que j'avais dit que j'en ferais un. Et puis finalement, il n'est pas sorti. Mais voilà, cette fois-ci, on a beaucoup de matos, on a beaucoup plus de pièces. Donc on va pouvoir faire quelque chose de vraiment sympathique. Donc on va faire un brick film très stylé. Je suis en train de parallèlement d'écrire l'histoire de ce brick film que j'avais déjà commencé. Donc on fera un truc relativement cool. Voilà, c'était juste pour vous annoncer ça. Ça sera après le mock, bien évidemment. En tout cas, je vous laisse, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est presque 340 maintenant, ça va de plus en plus vite, c'est du grand n'importe quoi, je vous en remercie. Vraiment, j'adore ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment génial. Donc, continuons comme ça, je vous laisse.